En attendant, regardons de plus près cette toge. Elle est made in Burkina avec des symboles qui parlent à l'ensemble des acteurs de la justice burkinabé. La description de la toge est faite pour nous par Sékou Zongo. Le retour aux sources, aux valeurs culturelles, une marche radieuse de la société burkinabé à laquelle la justice joue crânement sa partition. Désormais, voici la toge des magistrats et des greffiers du pays des hommes intègres. Des costumes d'audience entièrement confectionnés en faso d'Anfani, symbole d'un attachement à nos racines. Ils sont faits en cotonnade à partir du coton cultivé par nos braves paysans et tissés des mains habiles burkinabais. La nouvelle toge des justiciers burkinabais, plus qu'un costume d'audience, est un concentré de symboles et de messages. Ce noir dominant est le symbole de la charge et de la responsabilité sociale des acteurs du monde judiciaire. Sur la toge, le rouge, jaune, vert a posé sur la poitrine et près du cœur du justicier. Cela est lourd de sens. Les acteurs de la justice sont ici appelés à être prêts à consentir le sacrifice pour la patrie. Au même moment, la balance de la justice ancrée dans le drapeau rappelle avec insistance le devoir de rendre justice en ayant pour seule boussole les aspirations du peuple burkinabé. Une justice impartiale, symbolisée par ce glaive qui tranche la balance à part égale. Cet insigne sur la poitrine du justicier rappelle, si besoin en était, les valeurs d'exemplarité doublées d'une dose d'humanisme qu'il doit incarner. Et que dire de cette toque, élément essentiel de la nouvelle toge de ces acteurs de la justice? Elle confère tout simplement la légitimité du magistrat à rendre justice à l'image du chef justicier dans nos sociétés traditionnelles. Cette plume dorée qui n'apparaît que sur le costume du personnel du corps de greffier est aussi chargée de messages. Elle est l'expression de ce que ce corps de métier représente, la mémoire du tribunal par la transcription pour l'histoire de tout ce qui s'y déroule. Et l'omniprésence de la couleur dorée sur ces costumes vient rappeler la noblesse du métier du justicier. Ce jour nouveau pour la justice burkinabé est en effet la réalisation de la vision du père de la révolution burkinabé, celle de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons, le tout pour l'intérêt suprême des Burkinabés.